Salut tout le monde, ici la pause, on se dépose. Aujourd'hui, on va interpeller les passants pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Let's go! Je trouve que le réchauffement climatique, c'est primordial pour l'environnement et qu'on devrait tout faire pour que les années plus à venir, ce soit... correct, respecté quoi. Ok, c'est très grave, c'est très sérieux. Et ça nous amène beaucoup de maladies. Que c'est pas bien pour l'environnement, déjà, et que nous risquons de nous tuer, que la race humaine s'extinte, alors je trouve que c'est dangereux. Je pense que c'est une catastrophe. On est en train de détruire notre biotope parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, mais finalement, en fin de compte, c'est nous que ça concerne. Je sais pas, c'est quoi, mais c'est pas bien pour le monde ou pour les animaux, mais je connais pas plus que ce truc. Il faut que tout le monde s'unisse pour trouver des moyens pour que la planète, au fur et à mesure, diminue ce réchauffement. À cause de nous, à cause des voitures, à cause de la pollution, à cause de tout ça, notre terre, elle va se, dans quelques ans, elle va se démolir, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et voilà, donc voilà. Avez-vous une solution pour le réchauffement climatique, par exemple pour la pollution des voitures? Écoutez, j'encourage tout le monde à faire comme moi, de plus avoir de voiture. D'utiliser les transports en commun. Bon, je reviens du Cambio. Donc, il y a un système à Bruxelles de voitures partagées qui fait que quand on a des choses, on ne peut pas vivre non plus complètement sans voiture, en tout cas tout faire en moyen de transport. Essayer de prendre plus de bus, développer des moyens qui n'émettent pas de gaz. Interdire les anciennes voitures, limiter. Se limiter aux âges des voitures. Après, voyez, je vois passer une trottinette là. Je trouve que c'est aussi une catastrophe parce que vous savez avec quoi sont faites les batteries, avec des métaux précieux qui viennent de très loin, qu'on a du mal à recycler. Donc voilà. Moi, j'avais une idée que tout le monde qui a une voiture change sa voiture en voiture électrique, comme ça ne fait pas beaucoup de pollution et tout ça. La raison principale du réchauffement climatique. Ouf. La raison principale, c'est ça, que des usines. On fabrique là-bas des canettes, des bouteilles et plein d'autres trucs que l'on ne pourrait pas utiliser. Que l'on pourrait utiliser, mais où il faut faire beaucoup de trucs pour les constituer, par exemple. Et vu la fumée, alors c'est aussi mauvais. La raison est très connue depuis très 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 longtemps, c'est l'industrialisation. Alors il y a des industries polluantes qui se sont installées partout dans le monde et qui ont produit beaucoup de CO2, ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans cette situation. Et les gens qui étaient responsables à ce moment-là n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient. Moi je pense qu'on produit beaucoup trop de choses. On fabrique trop d'objets qu'on jette, qu'on prend, on consomme trop. La production des voitures, des avions, quand on mange trop d'animaux, ça c'est pas bien. La raison principale, c'est nous. Des trucs, on roule trop avec nos voitures et tout ça. Donc voilà. Êtes-vous pour ou contre les manifestations pour le climat par les jeunes? Pour la manifestation, je suis d'accord, mais voilà quoi. Peut-être trouver une solution. Je sais pas comment on va trouver une solution. Je suis pour. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il faudrait que pour les années à venir, on n'a pas de problème avec ça. D'accord. Je suis pour, mais il faut que tout le monde se mobilise, pas les jeunes, il faut les adultes, les gens qui travaillent. Tout
tout le monde se mette ensemble un jour de la semaine, par exemple le dimanche où personne ne fait rien, et se mobiliser pour... Je suis pour et en même temps contre, parce que je suis pour et parce qu'ils s'inquiètent pour leur génération. Et aussi je suis contre parce qu'ils sèchent des cours. Et ce qui est très mauvais parce que avec les cours qu'on est en train qui sèchent, ils pourraient peut-être inventer des bouteilles qui n'utilisent pas de pétrole et tout ça. Et alors voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est mauvais en même temps. Je trouve que c'est très bien parce que ça vous concerne, vous. C'est vous, la génération suivante, qui va hériter de tout ça. Des jeunes qui pensent à ça au lieu que des adultes qui n'ont pas trop le temps à penser à ça. Donc voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Nous vous souhaitons une belle journée. Monsieur le caméraman, ça va être bye. Bye.